Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo Brawl Stars. Nous allons surtout pas pigeonner dans cette vidéo. Bien sûr que non. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a surtout pas un or 6,99 qui donne 170 gemmes avec une méga boîte. Et avec 170 gemmes, tu peux acheter billets. Non. Et c'est surtout pas ce que vous pensez. Donc, je dois faire une chose, on se retrouve à tout de suite. Donc, rebonjour, c'est surtout pas ce que vous pensez. Non, je n'ai pas acheté l'œuf pendant que j'ai mis pause à cette vidéo. Non, et je me suis fait dégommer. Ouais. Ça, je peux l'ouvrir? Ok, ouais, bon, après tout ça. Ça va être moi qui va l'ouvrir. Ça va être Michael. Bah. Je sais que j'ai pas de sim. Wow, t'as les 411. Penny. C'est bien quand même. Je sais pas, je peux. Daryl, tu connais ça avant. Ouais, je l'aime encore, c'est pas une minute. Dynamite. Là, faut que ça soit Rosa. Non, c'est Poco. Bah, Poco, ça va. Moi, j'aime ça. Là, faut que ça soit chez Poco. Ok, ok. Ouais, c'est quand même une bonne boîte. Bah, moi, surtout, je suis jaloux pour les Poco. Bon, ok. Et donc, nous allons surtout pas faire ce que vous pensez. Bien sûr que non. Non, 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 bien sûr que non, vous avez rien vu. Comment? Attends, c'est quoi? Je peux lire la définition. Ok. Ça Billy repose ses ennemis à coups de batte si sa barre jaune est pleine. Quand son super pouvoir est. Quand son super est prête, elle frappe une balle de chewing-gum qui cause des dégâts. En fait, c'est comme des flippons. Ouais, un peu. Donc, et voilà! Le nouveau skin! Donc. Wow. Ok. Et regardez qu'est-ce qu'il y a en haut là, dans les récompenses. Non, on va jamais faire ça. Donc, moi, vu que je suis un gros bâtard, je vais mettre cette vidéo en deux et je ne vais pas faire de vraie partie avec Billy. Je vais la mettre dans une autre vidéo. Okay, mais je pensais que tu allais l'améliorer. C'est sûr. Oh oui, oui, oui. Ouais, après, je vais vous montrer un peu c'est quoi. Donc, regardez. Dans le fond, quand je vais frapper l'ennemi, il va se faire repousser vu que ma barre jaune est pleine. Ouais. Puis, si je le refrappe, si genre je frappe lui, là, si je le refrappe, ma barre jaune est pas pleine. Là, je le repousse pas. En même temps, il est dans le mur. Mais frappait pas une balle de chewing-gum? Fait check. Là, je fais ça. Là, je le. Regarde, je l'ai pas repoussé, ma barre était pas pleine. Mais quoi? Puis là, regardez la balle de chewing-gum. Vous avez plus qu'à la barre jaune, elle se remplit toute seule. Non, cette barre jaune-là. Oui, mais la barre jaune-là, non. Là, elle va lancer une balle de chewing-gum. 1, 2, 3, go. Oh, c'est sick! C'est comme ricochet. Alors, la fois, c'est ça qu'il a fait. Puis, je vous jure que ce skill est très très fort. C'est juste la vitesse d'attaque qui est pas très bonne. Ok, mais... ouais, c'est cheat. Mais sinon, à part ça, le skill n'est pas fait. Parce qu'il y a de faire plein d'affaires que. Tu es capable d'en mettre plusieurs à la fois. Quoi? Google. Ouais, tu peux en mettre plusieurs à la fois. Donc, on va juste attendre qu'ils respondent toutes. On va aller se refaire. Je pense qu'on peut. Genre, tu désactives ta carte, puis tu m'envoies. Okay. Je peux ça se j'achète là. C'est ça, ça. Bon, là, regarde. Je vais pouvoir en mettre deux à la fois. Check ça. Dans le fond, un, deux, trois, go. Là, je vais pouvoir en mettre une autre. Trois. Ouais, ouais mais ça fait moins de tickets. Non, ça fait pas mieux. J'en ai trois, là. J'en avais trois. Hyper cheaté, famille. La fois, ça, c'est en résumé le skin. Pour ça, mais bon. Tarte au prêt. Dans le fond, genre, quand t'es low, tu serais capable de, genre, par exemple, repousser la personne. Genre, là, on va dire que j'ai genre 1000 HP. Là, c'est genre un bull qui a 5 gemmes. Là, t'as tu fais ça, puis tu le repousses quand même assez loin. Là, pendant que tu le repousses, t'es capable de refaire ton attaque. Tu mets ton AFI. Assez de reprendre. Puis assez de reprendre un peu l'avantage sur lui. Fait que c'est toujours possible. Technique Fortnite. Fait que. Et c'est aussi possible de perdre une game quand t'as plus beaucoup de pourcents. Et que ta tablette bug. C'est très possible.
disons qu'en ce moment je me fais pas très aimer. T'inquiète, ouais. Tu vas aller l'améliorer. Ouais. Après, j'arrive pas à mettre les mots. J'en ai 6. J'en avais 5 ou 6. J'en avais 5 ou 6. Moi, je vais te faire killer cette tablette. Quoi? Parce qu'à chaque ligne, ça t'envoie une. Bon, dans le fond, c'est ça. Le skill, ça a résumé ça. Là, on va juste l'améliorer. Elle fait combien de boules, là? Elle fait du 1300. Ouais, par attaque, puis avec ses boules de gomme, elle fait... Fait que là, on va... Ah, c'est fatigant, ça. Ah, on va surtout... Non, on va surtout pas faire ça. Non. Voilà. Mais ce que je trouve pas logique, c'est que là, c'est une fille, et elle s'appelle Billy. Oh, j'ai hâte d'avoir la méga. Mais c'était à 3800. Oui. Pourquoi tu le fond, il est tout le temps mauve ou c'est quand tu changes de carte? Attends, je vais juste faire un truc. Le gars, il est à 4200. De l'edge, all bat. Attends, mais juste une question. Est-ce que c'est quand tu mets une carte genre épique que le fond du MO ou... De quoi une carte épique? Non, c'est juste parce que c'est genre un event. Check. C'est parce qu'ils ont mis des nouvelles cartes en Razia et en Prime. Je vais te montrer. Ils ont fait aussi comme Fortnite, en fait, genre... Non, check, ils ont mis des nouvelles cartes, c'est pour ça. C'est Futuriste. Check ça. Ils ont copié Fortnite. Futuriste. Et Braquage aussi. Futuriste. Prime aussi. Et c'est vraiment Futuriste. Hein. Puis Brawl Ball, non, puis c'est... Dans la fois, c'est ça. Fait que... Ah, vu que moi, je... Oui, je vous aime, mais... Attends, je n'ai pas mis sauf quelques-uns. Ouais, ceux qui mettent des dislikes. Comme moi. Oh, plus de 65, plus de 50. Moi, j'ai mis des likes à toutes les vidéos. Ouais, je pense que c'était le seul abonné de ma chaîne. Non, t'en as vite. Bon, Parce que ça va être ça pour cette vidéo. Je pense que merci de l'avoir regardé. Si tu peux faire une vidéo de 10 minutes pour mettre plein de pubs. Ta gueule, ok, dis pas ce que je veux pas qu'ils savent. Parce que je mets aucune pub de la vidéo, ok, je suis pas contre YouTube. Donc, en plus, c'est vrai que je mets pas de pub, hein. Vous pouvez me dire que je suis gentil, hein. Moi, j'ai YouTube Premium, je m'en fous. Parce que moi, je fais pas là-dessus. Ouais, bah, toi, avec ton YouTube Premium, tu détruis des YouTubeurs. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un écoute avec YouTube Premium, attends, ferme ça, s'il te plaît. Attends, 30 secondes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Ah, j'aimerais aussi savoir qui a débloqué Bidi et comment vous l'avez débloqué. Soit en faisant le pigeon ou en ayant beaucoup de chat puis en le débloquant dans des coffres. Donc, comme Alexis qui a débloqué, Ouais, mais il débloque toutes les cartes. Ah oui, cette semaine, je n'ai surtout pas pigeonné pour avoir un skin rare parce que j'étais tellement déprimée d'avoir aucun skin depuis 2700 trophées. Et oui, oui, non. Oui, j'en pouvais plus de ma vie. Fait que merci d'avoir regardé. Et on vient de revenir du Jean Coutu. Surtout pas pour une carte Google Play de 15 dollars. Que j'ai payé le 3 quarts, que lui m'a aidé à la payer vu que je suis un gros pauvre, puis que je mets pas d'annonce sur mes vidéos. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc, à plus pour une prochaine vidéo.